Vous serez sans doute d'accord avec moi que les Templiers et leurs secrets fascinent l'imaginaire collectif, et ce depuis bien longtemps. Nous avons qu'à penser aux séries de jeux vidéo comme Assassin's Creed ou encore les films comme par exemple Kingdom of Heaven de Radler Scott pour nous en rendre compte. Qu'ils soient représentés comme des membres sectaires ou même des sauveurs de l'humanité, la réputation entourant les Templiers est plutôt mitigée. Ainsi donc, dans cette vidéo, je vous propose d'explorer et peut-être même de détruire certaines idées reçues concernant l'Ordre du Temple. Aujourd'hui à l'émission, un épisode dédié aux Templiers. La création de l'Ordre du Temple vient d'une volonté de protéger les pèlerins faisant route jusqu'au lieu saint, dont Jérusalem. Car si en effet plusieurs hôpitaux s'occupent des affamés, des orphelins ou même des blessés, il n'existe aucune protection pour les gens bien nantis ou les plus modestes. Plusieurs croisés se sont aperçus de ce problème et un en particulier décide de régler le problème en créant une milice. Hugues de Pain. Ainsi, Hugues, avec l'aide de d'autres chevaliers, protège les pèlerins se rendant à Jérusalem. Étant peu nombreux, ils réalisent assez rapidement qu'ils vont avoir besoin d'une aide externe et d'un appui important pour recruter plus de gens et enfin établir cette milice plus efficacement. Durant l'année 1119, un groupe de pèlerins est attaqué alors qu'ils voyagent entre Jérusalem et le Jourdain. Baudouin Ier, le roi de Jérusalem, est alors très inquiet. On décide donc de créer une organisation indépendante pour assurer une sécurité efficace aux pèlerins. On raconte alors que le roi aurait cédé un local dans le palais royal situé à côté du temple de Salomon à Hugues de Pain et aux chevaliers se tenant à ses côtés. Le concile de Troyes de 1128 ou 1129 selon les divers ouvrages officialise l'existence de l'Ordre du Temple. Grâce au pape Innocent II, l'ordre se voit conférer un statut différent des autres ordres et se fait assurer la protection apostolique. Il bénéficie ainsi de privilèges exceptionnels. L'Ordre du Temple et ses membres relèvent désormais de la seule autorité du pape. Durant ses premières années, l'ordre se développe très lentement. On se rappellera que l'ordre a été créé pour protéger les pèlerins et leur assurer le passage vers les lieux saints. Ce n'est toutefois qu'en 1129 que les Templiers vont vraiment participer aux guerres contre les infidèles. Entre 1129 et ce jusqu'en 1207, l'Ordre du Temple va continuer à recruter des centaines de personnes, en plus de participer à des batailles et à continuer de protéger les pèlerins. Ils accumulent aussi beaucoup de pouvoir et de richesses, notamment en servant passivement de banque ou de coffre-fort pour l'Occident. Certains, au fil des décennies, considèrent que l'ordre abuse de ses pouvoirs, se mêlant aux affaires politiques de l'Orient et de l'Occident. On voit de plus en plus les ordres, en général, comme une accumulation de problèmes. Au début des années 1300, donc au 14e siècle, l'Ordre du Temple est victime de plusieurs rumeurs et choque bon nombre de ses membres. Si certes, ils étaient déjà habitués à entendre quelques conspirations à droite et à gauche, cette fois-ci, les accusations traitent surtout de la sodomie, de l'arrogance et même d'hérésie. Ouais, ça va pas bien. C'est par ailleurs dans cette période que les rumeurs vont se faire de plus en plus sentir, et ce jusqu'au procès des Templiers au début des années 1300. Par ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet après celle-ci. Vous le savez sans doute déjà, pour peu que vous ayez fait des cours d'histoire, mais en l'an 1095, le pape Urbain II appelle à la première croisade, qui engendra ainsi une série de conflits en Palestine pendant près de 200 ans. Ainsi donc, bon nombre de partisans et de chevaliers iront combattre les hérétiques de l'Orient aux portes de Jérusalem. Bon, maintenant qu'on a vu un peu son histoire, quels sont les rôles et les buts auxquels l'Ordre du Temple doit répondre? Eh bien, si vous êtes attentif depuis le début de cette vidéo, on en a déjà nommé un. Protection des pèlerins. Pendant à ce que l'ordre se résume uniquement à ça, je vous propose qu'on se penche sur la question. Il patrouille dans les chemins menant à Jérusalem, mais aussi celles qui mènent à tous les lieux sacrés comme Bethléem, Jéricho ou bien d'autres.
Il protège les pèlerins non seulement des brigands, des malfrats et des baudouins, mais encore des pillards, mais aussi contre les bêtes sauvages, notamment des lions, rôdant dans les alentours. En plus de tout ce que je viens de mentionner, il existe un lien puissant entre l'économie et la politique royale dans le monde d'Occident. Comme dans le cas de la France, par exemple. Durant la deuxième croisade, le roi Louis VII, qui est alors en déficit monétaire, demande de l'aide à l'ordre du Temple qui accepte, l'aidant ainsi à s'en sortir. La suite de ce service, auquel le roi de France lui sera redevable, eut si confiance en l'ordre qu'il leur confie le coffre royal pendant plusieurs décennies. Certains templiers sont également devenus des conseillers et des collaborateurs du roi de France. Plus encore, d'autres membres vont réussir à obtenir plusieurs positions de prestige, telles que commis pour recevoir les serments de fidélité des grands vassaux du royaume, aumôniers ou encore maîtres de l'hôtel royal. Au sens plus large, l'ordre joue d'un rôle important puisqu'elle est devenue gestionnaire, à partir de 1146, du trésor royal français jusqu'en 1295, là où Philippe le Bel transfère temporairement le tout chez des banquiers italiens. En parallèle, les Templiers participent aux croisades, bien que cela n'ait pas forcément fait partie de leur mandat de base. Néanmoins, c'est autour de la péninsule ibérique qu'on les remarque davantage. Plutôt que de les retrouver au cœur des batailles, bien que je n'exclue pas du tout cette possibilité, l'ordre joue d'autant plus le rôle de soutien. Durant les croisades, un élément dont il est essentiel de se soucier, ce sont les ressources et le déplacement de celles-ci vers le front. Les batailles demandent des vivres, des chevaux, des armes et bien sûr de nouveaux chevaliers. Ainsi donc, de nombreux groupes de l'ordre du Temple sont répartis un peu partout en Europe. Ces groupes, nommés des commanderies, possèdent des terres et des bâtiments. De ce fait, comme l'explique Régine Pernoud dans son livre, et je vous la cite, ainsi allait se constituer la fortune du Temple. Les commanderies semblables à celles de Monsonnet, prises ici en exemple, s'étaient multipliées. Ce mode d'expansion, typique d'une époque où toute richesse demeure liée très fortement à la terre qui la produit, ne diffère pas de l'expansion des autres ordres religieux, comme celui de Cluny, de Cîteaux, etc. Elle a été très forte parce que l'ordre du Temple répondait à l'une des préoccupations du temps, le pèlerinage des lieux saints étant alors cher à toute la chrétienté d'Occident. C'est ainsi que l'on en arriva à ce chiffre de 9000 commanderies, auxquelles ont été évaluées les possessions du Temple au moment de sa suppression. Le relevé des commanderies fait apparaître un véritable réseau de maisons d'importance diverses, qui donnent une idée importante de leur puissance dans la région. Étant les trois grandes classes sociales, on retrouve dans ces commanderies non seulement des clercs, des sergents et des chevaliers, mais on y retrouve également des paysans qui jouent en gros le rôle de domestiques. On y retrouve plus précisément des bouviers, des bergers et finalement des charretiers. En plus de s'occuper des ravitaillements, ces commanderies exercent des responsabilités diverses. La plupart de celles-ci sont des établissements agricoles peu fortifiés. Cela apporte énormément aux communautés proches puisque celles-ci fournissent des emplois et un commerce local par la production de fromage, de viande ou plus encore. L'ordre recueille également de nombreux fonds supplémentaires et notamment par des bienfaiteurs. Certains par des nobles comme le roi d'Angleterre ou le roi d'Aragon, ou encore Geoffroy de Bar, le comte de Champagne, ou même le chevalier Arnoux d'Aspet. Dans ces donateurs, il y a aussi des membres du clergé comme l'évêque de Bayeux, mais aussi de simples habitants. Ceux-ci léguant des maigres donations et laissant des biens à l'ordre dans leur testament. Les fonds que l'ordre reçoit sont monétaires avec, entre autres, les donations d'habitants de quelques sous ou quelques deniers. Cependant, ce n'est pas seulement cela qu'ils reçoivent. De la part des nobles, l'ordre reçoit des terrains comme le bief d'une rivière ou encore le terroir de Doncourt au bois concédé en fief par le chevalier Arnaud d'Aspet et ses fils. On leur donne des églises, des châteaux et des bâtiments divers. De plus, on leur donne également du bétail, des droits de profit rémunérateurs sur des activités commerciales, dont certains accordés par le comte de Champagne, ainsi que des biens communs comme des vêtements
des armes ou des chevaux. Voilà, c'est tout pour cette capsule en tournant la vie des Templiers. Si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, activer la petite cloche et bien sûr à vous abonner. Et si vous avez envie qu'on traite d'autres angles sur l'ordre du temple, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!